Bonjour, voici la suite de la correction de notre dossier des vacances de Pâques. Donc, ceci, c'est l'épreuve externe non certificative de 2008. La question 10, c'est une question de calcul littéraux. Le premier, 5a moins a. On est chez les additions-soustractions, donc on doit regarder si on a des termes semblables. 5a moins a, ce sont des a. Le deuxième a, comme il n'y a rien de noté, ça veut dire 5a moins 1a. 5 moins 1, 4a. Deuxième ligne, 2a moins 7 plus a. On a des a et on a un terme indépendant, ça veut dire un nombre qui n'a pas de lettres. Donc on va compter les a ensemble. 2a plus 1a, ça fait 3a. Et le moins 7, il reste comme ceci. On ne peut pas compter des a avec des termes indépendants. Et si vous avez écrit moins 7 plus 3a, vous avez la bonne réponse. Maintenant, on est chez les fois. Chez les fois, il faut d'abord compter le nombre de signes moins. Ici, il n'y en a pas. Ensuite, il faut multiplier les nombres. 7 fois 2, 14. Ensuite, il faut écrire les lettres dans l'ordre alphabétique. Mais il faut écrire un exposant si la lettre revient plusieurs fois. Ici, il n'y a que la lettre A, mais elle revient deux fois, donc exposant 2. Addition. Addition, il faut trouver des termes semblables. A3 et A3 sont des termes semblables. Chez les additions-soustractions, les exposants ne changent pas, donc ça va faire une réponse en A3. 1 plus 1. 2A3. Maintenant, on voit une parenthèse avec un fois. Ça veut dire que c'est de la distributivité. Le 2 va aller se distribuer sur le A. 2 fois A, c'est 2A. Le 2 fois 2, donc plus 4. Et le petit plus 2 qui était là et qui doit rester derrière. Alors maintenant, on cherche des termes semblables. Le 2a, il n'y a pas d'autre a, donc ça reste 2a. Puis on a 4 plus 2, qui sont des termes indépendants. On les compte ensemble, donc ça fait plus 6. Je m'aperçois que je n'ai pas mis mes lunettes et que cette lettre est un n. Donc ce sont des n. Alors, la ligne suivante. On a des parenthèses avec un signe moins devant. Ça veut dire que c'est une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins. Le A ici, on le laisse. Le moins, il part. Et il dit ici à l'intérieur de changer de signe. Donc, le plus 2, parce que c'est un plus transparent, devient moins 2. Et le moins a devient plus a. On regarde les termes semblables. 1a plus 1a, ça fait 2a. Moins 2. Ne comptez pas ici, hein, des n avec des termes indépendants, ça ne se compte pas. Des a avec des termes indépendants, ça ne se compte pas. Maintenant. On a encore un fois. Donc si c'est un fois, c'est une distributivité. 4a fois 3, ça fait 12a. 4a fois plus 5a, ça fait 4 fois 5, ça fait 20. A fois a, exposant 2. Les a ne sont pas semblables avec les a carrés. On ne peut pas aller plus loin. Ici, on a encore un fois, c'est encore une distributivité. Moins 2 fois a, c'est moins 2a. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Pareil, des a, des termes indépendants, on ne touche pas. Le dernier, on a deux parenthèses avec un fois entre les deux.
Si c'était deux parenthèses avec rien entre les deux, ça reviendrait au même, ça voudrait dire que c'est fois. C'est donc une double distributivité. On va faire B fois B. Ça fait B au carré. Puis B fois 6. 6B. Puis 5 fois B. 5B. 5 fois 6, 30. Cette fois-ci, ce n'est pas fini parce que le B carré n'est pas semblable avec le B, mais le B est semblable avec ce B-là. Donc, le B carré, on le recopie. Plus 6 plus 5, ça fait plus 11. B. Et le plus 30. La question 11. Pour louer des DVD dans un nouveau vidéoclub près de chez lui, Yuri achète une carte de membre à 10 euros et paye 1,50 euros par DVD. Yuri loue N DVD. Entoure l'expression qui permet de calculer ce que Yuri doit payer. On dit qu'il achète une carte de membre à 10 euros. Quand on achète une carte de membre, ça veut juste dire qu'on est membre. Donc, il paye 10 euros. Il la paye une fois. Qu'il ne loue pas de DVD ou qu'il loue 129 DVD, c'est pareil. Il doit payer ces 10 euros-là une seule fois. Ensuite, il va prendre des DVD. Et à chaque fois qu'il prend un DVD, ça lui coûte 1,50 euros. S'il avait pris 10 DVD, ce serait 1,50 euros fois 10. Mais ici, on nous dit qu'il loue N DVD. Donc, c'est 1,50 euros fois N. Alors, on regarde. Ici, c'est 11,50. On ne nous a jamais parlé de 11,50. Donc, on abandonne déjà. Ici, on nous dit que la carte de membre à 10 euros, on la paye N fois. C'est faux. Ici, on nous dit que 1,50 euros, qui est un DVD, on doit le payer N fois. Donc, en effet, il a pris N DVD et on paye une seule fois le 10 euros. Voici la réponse. On regarde quand même la dernière proposition. 10 euros pour la carte de membre, c'est bien. Mais là, on dit qu'il paye une seule fois 1,50 euros et puis qu'il paye uniquement le nombre de DVD. Donc, ça veut dire que s'il en achète 3, on est en train de vous dire qu'il doit, pas s'il en achète, s'il en loue 3, on est en train de vous dire qu'il doit payer 10 euros de carte de membre, 1,50 euros une seule fois, et puis 3 euros. Donc, ça n'a pas de sens, c'est faux. Donc, c'était ceci la réponse. La question 12. La somme du double d'un nombre est de 50 est égale à 260. X désigne ce nombre. Entoure l'équation qui permet de trouver la solution du problème ci-dessus. Je ne regarde pas les propositions au départ. Je me mets sur le côté et j'essaye d'écrire moi-même la phrase. On nous dit que x, c'est le nombre. Alors, on relit. La somme. Somme, c'est plus. La somme du double d'un nombre. Comme mon nombre, c'est x, le double de mon nombre, c'est 2 fois x. La somme du double d'un nombre est de 50. Ça veut dire que le 50, il est ici. Est égal à 260. On doit aller chercher l'équation. 2x plus 50 égale 260. Ce n'est pas celle-ci. Il y a un plus dans le chemin. 2x plus 50 égale 260, c'est celle-ci. Celle-ci, ça ne va pas. Parce que ça, ce n'est pas la somme du double et de 50. Ça, c'est le double de la somme de x et de 50. Ce n'est pas juste. Alors, ici, il faut faire attention. Ce serait peut-être juste, mais il faut vérifier. Le 2x, il est bien du bon côté. Le 260, oui, il est à droite. Et si le 50 est parti ici, comme c'est plus, il devrait devenir moins. Et là, il est plus. Donc, ça ne va pas.
La question 13 résout les équations suivantes. Première équation, 3x moins 75 égale 285. Donc, on laisse le égal en dessous du égal. Les 3x, on les laisse dans leur membre. Le 285 reste dans son membre. Et le moins 75 arrive ici, donc devient plus 75. 3x. On calcule 285 plus 75, ça fait 360. On laisse maintenant le x, le 360. Le fois 3, ça c'est 3 fois x, ça c'est fois, devient divisé par 3. Attention, c'est un 3 positif, il reste 3 positifs. Maintenant, x égale 360 divisé par 3, 120. Solution égale 120. Pourquoi est-ce que ça ne change pas de signe? Ben, vous devez imaginer, c'est comme si on vous disait 3 jeans coûtent 360 euros. Ben, un seul jeans, c'est 360 euros divisé par 3. On ne divise pas par moins 3 pour savoir le prix d'un seul article. Celle-ci, je laisse les 25x du côté droit. Je vais décaler mon égal. Je vais jusqu'ici, mais on imagine qu'il est écrit en dessous. Ça va? Donc, je fais une petite barre. Voilà, mon égal, il est là. Mes 25x restent à droite du égal. Mon 350 reste dans son membre. Et le plus 150 vient de ce côté-ci. Donc, il devient moins 150. Donc, 25x reste là. 350 moins 150, ça fait 200. Le x reste à sa place. Le 200 reste à sa place. 25 fois x, ça devient divisé par 25. Même principe qu'à côté, le 25 n'a pas changé de signe. Donc x est égal à 8. Solution égale 8. Donc, s'il était mis moins 25, on aurait gardé le moins. Indique vrai ou faux à côté de chaque proposition. On nous donne moins 2 et on nous dit moins 2, c'est la solution de cette équation-là. Ben, pour le savoir, on remplace le x par moins 2. Donc, on se retrouve avec moins 2 moins 2 égale 0. Moins 2 moins 2. Ça fait moins 4. Ça ne fait pas 0. Donc ça, c'est faux. Deuxième proposition, on nous dit que le x, c'est moins 2. 2x, ça veut dire 2 fois moins 2. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4 plus 8. Ça fait 4. Et on nous dit que c'est égal à 4, donc là, c'est vrai. La question 15. Observe les dessins suivants. Voilà, on observe. Combien aurait-on de carrés blancs autour de 6 carrés gris? Donc notre question, c'est combien est-ce qu'on a de blancs en fonction des gris? On va les écrire. Ce qu'ils appellent gris, c'est les noirs hein, sur ma feuille. Donc ici, je vais écrire au-dessus combien de noir et en dessous combien de blanc. Ici, j'ai un noir et les blancs, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8. Ici, j'ai deux noirs et les blancs, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 noirs. Et les blancs sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'espère que vous avez remarqué qu'à chaque fois, j'ai dit
1, 2, 3, 4, 7, 6. Les fameux 1, 2, 3, 4, 7, 6, je vais les colorier sur chaque dessin. Quoi qu'il arrive, ils sont là à chaque fois. À chaque fois, on en a 6. Ici, pour obtenir 8 ou 6, on a dû en ajouter 2. Pouf, pouf. Pour obtenir 10 ou 6, il a fallu en ajouter 4. Pour obtenir 14 ou 6, il a fallu en ajouter 8. Mais quand je dis il a fallu en ajouter 2, c'est parce qu'il y en a un de chaque côté du noir. 2, c'est le nombre de noirs fois 2. Ici, j'ai dit il faut en ajouter 4. Pourquoi 4? Parce qu'il y en avait 2 là et 2 là. C'est 2 fois 2. Ici, il a fallu en ajouter 8 parce que c'est 4 fois 2. Donc, on peut écrire une formule qui lie le nombre de noirs au nombre de blancs. Pour avoir les blancs, il faut faire tout le temps les 6 que j'ai coloriés en bleu. Et il faut additionner avec 2 fois le nombre de noirs. Donc voilà la formule qui donne le nombre de blancs. C'est 6 plus 2 fois les noirs. Donc on nous dit ici combien aurait-on de carrés blancs autour de 6 carrés gris. On fait comme on a réfléchi ici. Si on a 6 au milieu, on en a d'abord les 6 qui sont coloriés en bleu. Puis comme ils sont 6 ici, ils vont faire plus 6 fois 2. Donc ça fait 6 plus 12, 18. Il y aura 18 blancs. Deuxième question, on nous demande si on avait 52 carrés gris. Donc ici au milieu, une grande ligne de 52. Pareil, on a d'abord les 6 habituels. Les 52 gris, ça veut dire qu'il y en a 52 blancs là, 52 blancs là. Donc 52 fois 2. Donc ça nous fait 6 plus 104. Ça donne 110 blancs. Quatre élèves ont expliqué comment ils calculent le nombre de carrés blancs à partir du nombre de carrés gris. Leur raisonnement est-il correct? Indique oui ou non. Le premier, il dit, j'ajoute 10 au nombre de carrés gris. Ben, on essaye. Là, c'était A, les gris. Ben, A plus 10, 11. C'est bon, il a déjà faux. C'est non. Le deuxième, je multiplie le nombre de carrés gris par 2 et j'ajoute 6. C'est ce qu'on fait. Nous, on faisait 6 plus 2 fois les gris. Lui, il fait 2 fois les gris plus 6. C'est bon. Le troisième, j'ajoute 2 au nombre de carrés gris. Et je multiplie le résultat par 3. On va regarder ce qu'il fait. Donc, ce cas-ci, par exemple. Il ajoute 2 au nombre de carrés gris. Donc, il se retrouve avec cette grande ligne-là. 1, 2, 3, 4. Il ajoute 2. Pouf, pouf. Puis, il fait x 3. Mais ça ne va pas, lui. Il compte le nombre total de carrés. Parce qu'il va se retrouver avec 3 lignes pleines. Il n'est pas en train de compter les blancs. Donc, lui, ça ne va pas. Le dernier. On reprend ce cas-ci. J'ajoute 3 au nombre de carrés gris. Donc, il avait 2 carrés, il fait plus 3. 2 plus 3, ça fait 5. Et il multiplie le résultat par 2. 5 fois 2, 10. Hein, ça a l'air d'être juste. On essaye ici. Donc, il dit bien, j'ajoute 3. Donc, 1 plus 3, 4. Puis, il fait fois 2, 8. Et ici, 4 plus 3, 7 fois 2, 14. Et celui-là, il ajuste aussi. Il ne fait pas comme nous, mais il ajuste. Dernière question. C'est une traduction.
Si la lettre N désigne le nombre de carrés gris, donc les gris ce sont des N, entoure l'expression qui traduit le mieux le raisonnement suivant. Pas les raisonnements de là au-dessus, ce raisonnement-là. Cette personne dit, j'ajoute 2 au nombre de carrés gris. Donc il fait N plus 2. N plus 2, N plus 2, N plus 2. Jusque-là, c'est bon. J'ajoute 2 au nombre de carrés gris. Je multiplie le résultat par 2. N plus 2 fois 2, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas le N plus 2 qui va se multiplier par 2, c'est rien que le 2. Il manque des parenthèses. Donc ça ne va pas. Je multiplie le résultat par 2. Ça va. Parce que N plus 2 est enfermé. Et ce résultat va se faire multiplier par 2. Ça, c'est bien. N plus 2 n'est pas enfermé. Le fois 2, il est avec. Donc, le 2 va faire 2 fois 2, mais pas avec le N. Et voilà. Bon, c'est déjà bien que c'est ça, mais on va finir la ligne. Donc, j'ajoute 2 au nombre de carrés gris. C'est fait. Je multiplie le résultat par 2. C'est fait. Et j'ajoute encore 2. Voilà. Il était mis en tour. Eh bien, on entoure. Question 16. Lors d'une compétition, voici les temps de 4 élèves au 100 mètres. Les prénoms, les temps. Écris dans le bon ordre le prénom des 3 premiers sur le podium. Déjà, il faut réfléchir dans la vraie vie. Le 100 mètres, c'est une course. Le but d'une course, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, c'est d'avoir le temps le plus petit possible. Pour courir, c'est mieux d'avoir fait 100 mètres en 10 secondes que d'avoir fait 100 mètres en 3 heures. Donc celui qui gagne s'il y a 10 secondes et 3 heures, c'est celui de 10 secondes, c'est celui qui va vite. Donc il y a le temps le plus petit. Donc le premier, c'est le plus petit. Alors, pour comparer, il faudrait qu'on ait le même nombre de chiffres derrière la virgule. Parce qu'ils ont tous fait 16 secondes quelque chose. Ici, on a 2 chiffres derrière la virgule. Ici, on en a qu'un. On va rajouter un 0. On en a 2. On remet un 0 ici. Et comme ça, c'est facile de comparer. Quel est le temps le plus court? Est-ce que, donc 16, je ne le regarde même pas. Il est le même partout. Est-ce que c'est 0,3, 50, 45 ou 20? C'est 0,3. Donc le premier, c'est Boris. Alors, Boris, on ne le regarde plus, c'est lui le premier. Quel est l'autre temps le plus court? 50, 45 ou 20? C'est 20, donc Leïla. On ne regarde plus Boris, on ne regarde plus Leïla. Quel est l'autre temps le plus court? 50 ou 45? 45, donc Martin. Donc faites attention au sport. Si jamais on vous avait dit que c'était un saut en longueur, là, le saut en longueur, le but est d'aller sauter le plus loin possible. Il aurait fallu dire que le gagnant, c'est celui qui a le plus grand nombre. Donc, lisez les énoncés correctement. Question 17. Calcule la valeur numérique des expressions littérales suivantes si le B, c'est moins 3, le C, 4 et le D, 5. Il est mis 6C. 6C, ça veut dire 6 fois C, donc 6 fois 4, plus 2D, donc 2 fois D, 2 fois 5. Priorité des opérations, on fait d'abord les fois. 6 fois 4, 24, plus 2 fois 5, 10, ça fait 34. Le suivant. Moins C exposant 2 plus B. Le moins n'est pas touché par l'exposant. Si il fallait que l'exposant s'occupe du moins, il y aurait des parenthèses pour que le moins soit à l'intérieur. Ici, donc le moins, il reste dehors. Ensuite, on a le C. Le C, on va le chercher, c'est 4. Au carré. Le carré n'est que sur le 4. Plus B. Le B étant moins 3. Plus moins, ça donne moins 3. Le moins reste
Le carré ne le touche pas. 4 exposant 2, c'est 4 fois 4, 16, moins 3. Ici, on est déjà dans le sol, dans l'ascenseur, à l'étage moins, enfin, pas à l'étage, dans le sol, moins 16. Et on va encore 3 plus bas. Donc, on arrive au moins 19. La question 23 est assez difficile à comprendre et à expliquer d'ailleurs. Donc on nous dit, 5 élèves ont participé aux Olympiades de maths. Leur professeur calcule leur score moyen. Il s'élève à 80. Malheureusement, un élève s'est trompé en donnant son score. Il avait dit 70, alors qu'en réalité, il a eu 75. Alors moi, je vais sur le côté et je me dis, bon, le prof, quand il a fait la moyenne, 5 élèves, il a additionné les points de ces 5 élèves. Donc, il y avait des points plus des points plus des points plus encore des points. 1, 2, 3, 4, plus des points. Donc, il a 5 élèves, le prof. Il additionne les points de ses élèves, il doit diviser par 5 vu qu'il a 5 élèves. Donc on nous dit, 5 élèves ont participé aux Olympiades, le professeur calcule leur score moyen, donc il fait une moyenne, il fait toi plus toi plus toi plus toi plus toi, divisé par 5, et il trouve 80. Ça c'est quand tout allait bien. Malheureusement, il y a un des élèves qui s'est trompé. En donnant son score, il avait dit 70. Donc ça, c'est au départ. Le dernier avait dit 70. J'ai décidé que c'était le dernier. Voilà. Hop. Alors qu'en réalité, il a eu 75. Donc ça, c'est ce qui est faux. Je redessine le même cas en dessous avec le 75. Donc, on dit, l'élève s'est trompé, il avait dit 70, alors qu'en réalité, il a 75. Donc ce n'est pas 70, c'est 75. Et on demande, ben alors ça va faire combien de moyenne? Bon. S'il a 75 au lieu de 70, est-ce que ça va faire augmenter la moyenne ou la diminuer? Ben, ça va la faire augmenter vu que c'est mieux d'avoir 75 que 70. Donc on est déjà sûr que la moyenne, ce sera plus que 80. Donc on peut déjà enlever ça, ça. Et ça. Bon, ça c'est bien. On en a déjà enlevé 3. Maintenant, le fait d'avoir 75 au lieu de 70. Est-ce que la moyenne va se retrouver à 81 ou à 85? Mais 81, ça voudrait dire que ça a fait augmenter la moyenne de 1 point. 85, ça aurait fait augmenter la moyenne de 5 points. Ça n'a pas fait augmenter la moyenne de 5 points. Ça a fait augmenter le numérateur de 5 points. Ici, c'était avec 70, là avec 75. Donc la réponse d'au-dessus, il y a 5 points de plus. Mais l'augmentation de 5 points de rien que celui-là, c'est divisé par 5. Donc 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc ça fait augmenter la moyenne de 1 point. Donc le 80 a augmenté de 1 point, on est arrivé à 81. Et voilà, on continuera à corriger demain. À demain !